pour la première fois de son histoire, le tournage des Feux de l'amour a été interrompu en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19. Alors qu'une actrice historique s'apprête à faire son retour dans le soap, la poursuite des enregistrements des épisodes est mise en péril par des cas de contamination sur les plateaux. La production de la série a trouvé une parade efficace pour pallier à un arrêt complet. Le site américain Deadline dévoile les contours de ce stratagème déjà mis en place sur les tournages des autres fictions outre-Atlantique. Deux personnes ont en effet testé positives à la Covid-19 sur les tournages des Feux de l'amour début novembre 2020. Les deux individus ont été placés à l'isolement dès la réception des résultats. Les zones touchées de la production ont été nettoyées et désinfectées. Par ailleurs, les personnes qui ont été en contact étroit avec les personnes concernées ont été informées. Cette semaine, une grande scène familiale intégrant pas moins de 15 acteurs a ainsi pu être tournée. En divisant les lieux de tournage zone, certaines autres productions ont également pu isoler le personnel à faire appel. Les tournages des Feux de l'amour ont pu reprendre en juillet 2020 pour une diffusion en août 2020 sur CBS. En France, malgré quelques complications liées au doublage, mais avec un décalage de près de 3 années sur la programmation US, aucune interruption US est produite dans la diffusion sur TF1. Par ailleurs, la série a été renouvelée au moins jusqu'en 2024 sur CBS.